Faudrait franchement que je dise à ce gars d'arrêter de faire ses intros, franchement. Ça sert à rien. Et bien, salut à tous. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est donc 31. Alors déjà, cette vidéo va être un peu what the fuck au montage, parce qu'il faut savoir que cette vidéo a été tournée le 8 janvier. Je vous upload cette vidéo, en tout cas là je la monte. Nous sommes le 7 février, parce qu'en fait faut savoir que juste après j'ai totalement zappé. J'ai laissé ma dashcam quelque part, et c'est juste après avoir bouffé là que j'ai repensé. Bon, cette vidéo, je me rappelais plus exactement. Donc je crois que c'est la traversée de la selva. Dites-moi ça en commentaire hein, pour ceux qui connaissent. Attention, vous voyez les panneaux. Donc, voilà, je me rappelle qu'à l'époque, au moment où je tourne cette vidéo, je me dirigeais en direction de Barcelone. Bon, je vous avais pas tout vlogué parce que voilà, parce que attendez, c'est moi calculer. Il y avait Il y avait 100 km. Donc, il y avait bien, il y avait plus de 100 km. Donc j'avais pas trop envie de vous vlogger tout. Je vous avais carrément fait un fort long cut. Parce que. Osef quoi. Bon, de toute façon, à la base, je voulais vous vlogger le passage, comment dire. Sur l'autoroute, mais après je me suis dit Jordan, t'es un peu con quand même, parce que ça intéresse personne. Alors bon, là cette intro est très long, franchement je sais même pas pourquoi tu commentais. Je sais même pas pourquoi j'ai sorti un passage à Shazaman, les amis. Je sais même pas pourquoi. J'ai essayé, j'ai coupé la radio histoire de pas me faire démonétiser, même si je suis pas monétisé. Et alors, voilà, le bordel total, franchement. Si je vous sors cette vidéo, en plus, je crois savoir pourquoi j'ai attendu, parce qu'en fait, normalement, je devais avoir la fibre. Et enfin, je l'ai, les gars, je l'ai. Donc, voilà, bon. Faudra juste dire au routier 31 du passé d'arrêter à tout prix de faire ses intros de lui-même. Parce que je vais faire sa place. Allez, franchement, je vous laisse avec ce vlog en espérant qu'il sera pas trop. Comment dire ça? Un petit peu trop. Voilà, bah c'est bien fait au niveau du montage, parce que bon, après c'est vrai, je pourrais vous faire vous compresser un voyage très long en un vlog, sauf que ça nécessiterait énormément d'efforts et j'ai pas le temps avec ça, les frères, j'ai pas du tout le temps. Par contre, je sais pas pourquoi il y a un moment à la transition, vous allez le voir, entre deux vlogs, entre deux rushs en tout cas, mais il y a de la musique qui s'est jarclé, donc je sais pas pourquoi. Faut à tout prix que je regarde. Bon, moi je vous laisse avec le vlog. Allez, ciao. Ma voix, les transitions, et c'est tout. Donc dès que vu que ma dashcam elle empile en quelque sorte les fichiers, donc en gros au lieu de faire par exemple une vidéo complète de 20 minutes, en fait elle va me jarcler deux vidéos de 10 minutes. Et je suis obligé de les recoller au montage. C'est pour ça que les transitions, je les ai dans le popotin. Donc voilà. D'ailleurs, je viens tout juste m'apercevoir qu'elle est pas à l'heure. Bon, il faudra que je la remette à l'heure. Parce que là, vous voyez 10h49 et il est en réalité midi. Après, donc peut-être je vais mettre sûrement son âge sur Insta pour voir si vous voulez que j'upload quand même le troisième truc vlog, car vlog pardon. Bon, d'ailleurs vous pouvez vous abonner à mon Insta, hein, le routier 31, s'il vous plaît, je veux qu'on défonce cette barre des 40 abonnés. J'ai tellement envie. Bon. D'ailleurs je sais même pas combien j'ai d'abonnés. Je vais pas prendre mon téléphone hein, parce que il est en charge et en silence comme d'habitude. Voilà. Alors après j'ai décidé, parce que dans mes longs moments où je pense à tout et à n'importe quoi, j'ai décidé que je n'arrêterai pas YouTube en 2020, parce que cette vidéo sort en 2020.
Mais je vais quand même attendre jusqu'aux 3 ans de ma chaîne. Donc en gros, je crois que j'avais commencé mon aventure en mai. Je sais pas, je crois avoir commencé au mois de mai, puisque l'épisode 4 de Canal Chien était sorti en juillet ou en août, je m'en rappelle plus. Je crois qu'il est sorti en juillet. Et comme ça, je pense que je vais attendre. Allez, mai, juin. Ah. Je pense que je vais attendre tout ce temps-là, comme ça on fêtera les 3 ans de ma chaîne ensemble. Et après, d'ailleurs, on va peut-être, là franchement, je suis en train d'allonger la durée. Alors, c'est soit peut-être jusqu'aux 3 ans de ma chaîne, parce qu'après, peut-être que j'arrêterai les car vlogs aux 3 ans et j'arrêterai mes lives enfin, je vais pas arrêter, mais je vais ralentir le régime, quoi, en juillet, je crois. Non, en septembre. Ça, on attaquera bien l'année 2020-2021. Je m'adapterai à certaines contraintes du métier, tout simplement. Parce que bon, il faut savoir que dans le camion, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un souci, c'est-à-dire que mon transfo a pété. Donc, je crois que je vous l'avais dit en vidéo, c'est un bon moment déjà. Mais j'utilise un transformateur, c'est comme ça je peux vous faire des fois mes live PS4 le mercredi, parce que voilà, des fois le mercredi, des fois je fais mes lives en direct de 9h. Toi, tais-toi. Des fois je vous en fais voilà, en direct un petit peu de toute l'Europe, quoi. Et du coup, voilà, c'était bien. C'est pas que maintenant c'est simple. D'ailleurs, franchement, je suis assez content des retours que j'ai dans mes vlogs, parce que moi je me suis dit, ouais, je vais me prendre un pourcentage énorme de dislikes. Voilà, la reconversion est m'a foutu. Mais en fait, non, parce que c'est stable. De likes, des fois un petit commentaire. Voilà, truc basique, hein. Je vais pas dire non plus de choses fausses. Donc voilà. Alors là, franchement, normalement, je suis pas j'ai de la chance, j'ai dit je vous tourne ce vlog maintenant, parce que normalement je ne suis pas censé recevoir d'appel, parce que là tout le monde est en train de manger. Moi j'ai mangé au préalable, hein, parce que sinon je ne vous explique pas la rassera. Rassera ou Darka, voilà. Ah, vous savez pas ce que ça veut dire? Allez voir tout fin mon poste. Il va vous l'expliquer mieux que moi. Franchement. Alors oui, je suis ce type de gars qui n'aime pas regarder tout ce qui est les trucs de téléphone et tout quand je mange. Y'a quoi? Donc je sais même pas combien de time je suis de vidéo. Alors, j'ai du mal à voir parce que ça écrit en 8 minutes 36. Ouais, je pense que je vais couper maintenant, parce que je sais pas s'il y a beaucoup d'endroits sympas à montrer, quoi, parce que là voilà. Bon, ben je vais couper, on se retrouve quand j'en ai envie. Oh. Ok les amis, on a fini, voilà, je viens de passer du coup les endroits qui est un petit peu beau. J'ai failli me prendre une rassera. Mais ça, on en parlera plus tard, ou peut-être dans leur live sur un soir. Bon, je rigole. Les rasseras, c'est bon. Les rasseras, on les garde pour nous. Les darkas, on les raconte. Et donc, voilà, là, j'ai dit, je vais la enclencher avant le call, histoire de faire la petite outro. Je vais, bon, après, je vais devoir commencer le montage. En espérant que ce vlog vous a plu, j'ai essayé. Est-ce que ça va être moins long, parce que ma famille, parce que oui, quand même, je fais voir mes vidéos à ma famille au préalable avant de les mettre en ligne. Parce que
parce que si ça fait trop flag, je les mets pas en ligne, c'est simple. Et donc voilà, ils ont trouvé que ça faisait trop long. Donc j'ai décidé d'en faire des plus courts normalement. Je suis censé m'en sortir pour 12 minutes en espérant que tel est le cas. Faut juste que je remette cette purée de caméra à l'heure parce que ça me dérange, mon dieu. Ouais, j'ai quelqu'un qui est très rapidement perturbé. Bon, là on va monter, ensuite on va se dire au revoir parce que voilà, j'ai la route à faire et après ben voilà, c'est la fin du vlog. Parce que voilà, moi je me dis ouais, je vais essayer de faire un truc pas trop long, mais si jamais je fais un truc long, je l'ai dans le popotin, voilà. Non mais on n'en est pas encore à ce que je pense, hein. Même si vous savez pas ce que je pense. Donc voilà. D'ailleurs, dites-moi, parce que comme d'habitude, je fais tout le temps des petites modifications par-ci par-là tout le temps. Est-ce que vous voulez que pour la prochaine vidéo, prochain vlog, je recherche du NCL, du copyright quoi, et qu'on le mette, parce que là, franchement, c'est mon premier vlog sans musique. C'est un petit peu, je dirais pas what the fuck, parce que moi je suis sérieux, mais voilà, c'est un petit peu bizarre, même moi j'ai pas l'habitude. Bon, quand je commente, hein, bien sûr, des fois off, ça m'arrive de la couper. Par exemple, je vous avais expliqué dans une vidéo que par exemple dans les tunnels, je le coupe comme ça critique pas, malgré que je vois quand même marqué personne à la station et ça, je rage comme The Gairi. D'ailleurs, parce que ça, j'ai toujours rêvé de le faire. Dites-moi si certains viewers de cette vidéo sont des rageux sur Fortnite et on fera du... Je vais rencontrer en live, j'ai toujours rêvé de faire rager quelqu'un, quoi. Ça prouverait que je serais pas tout seul. Bon, quand je dis rager, quand je dis rager comme The Gary, dans le sens que je vais pas tout casser non plus, mais voilà. Vous êtes bien aperçu quand même que je crie énormément. Après, vous allez me dire c'est normal, hein. On perd, on n'est pas content, voilà. Personne n'est content de perdre. Et donc voilà. Bon, ben, pour ma part, je vous dis à bientôt. Je sais pas, peut-être à la fin de la semaine. Moi, je sais pas. Je verrai quand j'ai le temps. Donc bon, allez, ciao. Allez, sort.